وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ce double témoignage de foi, sans lui, tous les autres actes ne sont pas acceptés. Cette shahada, qui est la base de l'islam, dont tous les actes ne sont que les effets et les fruits de ce témoignage de foi. Cette shahada, qui a une valeur tellement grande que celui qui le dit sincèrement, celui qui lui dit en vouant un culte exclusif à Allah, en étant véridique, Allah subhanahu wa ta'ala interdit son corps au feu de l'enfer. Cette shahada que tout le monde croit avoir acquise, que tout musulman pense que c'est quelque chose d'acquis, à laquelle il ne pense même pas, en réalité, on va voir aujourd'hui qu'il y a la base de ce témoignage de foi qui est la ilaha illallah, puis que Mohammed est le messager d'Allah. Cette base-là, c'est cette base qui est manquante aujourd'hui à la communauté de l'islam. Et c'est à cause de ça, toutes les dérives, toutes les déviances, toutes les innovations, tous les manquements, toutes les divergences, toutes les désobéissances, toutes les guerres, tous les meurtres, le sang qui coule, la faiblesse de la Ummah, c'est à cause du fait qu'on n'a pas compris les deux sens de cette shahada et qu'on ne les a pas mis en pratique. Et si on n'a pas compris ça, alors on n'a rien compris de l'islam. Car c'est la base de l'islam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.